Ben, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ce projet, projet qui est fait par un consortium de personnes de confessions différentes, je pense que ça c'est important de le dire, un projet Made in France, donc qui est quelque chose qui est confectionné en France, designé en France, construit en France, qui est un, comment on peut l'appeler, une aide électronique à la prière musulmane. Donc c'est un objet qui facilite dans les choses comme savoir connaître la direction de la Qibla, connaître les horaires de la prière, savoir faire l'adhan. C'est une idée qui vient d'un de nos partenaires, en fin de compte, qui... comment vous faites si vous voulez... Ok, vous connaissez la direction, vous, les musulmans, vous connaissez toujours la direction. Mais quand vous êtes dans un cas de force majeure, ou quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas sûr, ou quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de pile, vas-y, mais on se débrouille. Si l'application, alors nous, c'est nous ça, les autres partenaires, si l'application, on se débrouille. Mais il dit, mais vous n'avez pas d'objet. Et là, c'est là qu'il nous a eu, en fin de compte. Donc c'est du plastique peint en noir. Il y a une option aussi en pierre naturelle, et une option aussi en pierre précieuse. Il nous donne la date du jour, l'heure de la prochaine prière, le nom de la prochaine prière, l'heure du jour, dans combien de temps la prochaine prière va être. Si on est en mode adhan ou vibreur ou sonnerie ou whatever, et les piles. Il n'y a rien à rentrer comme données. N'importe où dans le monde, sur mer ou dans les airs, vous pouvez récupérer la direction de la Qibla. Ok ? C'est un objet complètement autonome. Et tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur cette touche tactile. Et il trouve la direction de la Qibla. Seul. À l'heure de la prière, il va se placer dans la direction de la Mecque et il va chanter l'adhan. Les options futures. Donc notre objectif, c'est installer plus de récitations coraniques, plus d'adhan à l'intérieur, plus de contenu religieux. Ensuite, on va commencer à le pair up, le linker, le Bluetooth là, avec les téléphones portables pour compete with yourself. Donc une fois que la prière elle est faite, tac, t'enregistres, tac, j'ai fait cette prière, hein,